Enfin bon, vu que tu étais la seule à demander et que c'était déjà prévu de toute manière. Tout ça pour vous dire que j'ai fait l'acquisition d'un micro que j'espère vous apprécierez. Les références sont dans la description. Tout comme le Cerbère, l'hydre de l'air n'a pour parents Typhon et Echidna, à qui je destine une vidéo à part entière, tant leur place dans la mythologie grecque est prépondérante. Faisons un rapide état des lieux. Lerne se trouve proche de la cité antique d'Argos, dans la région d'Argolide. L'hydre de Lerne fut élevé par Héra, dans le but de tuer Hercule, car fils illégitime de Zeus. Elle fut aussi élevée par Amymone ou Amymon, quant à elle une des 50 Danaïdes, les filles de Danaos. Elle fut sauvée in extremis du viol par Poséidon, qui lui révèle alors l'emplacement des sources autour de Lerne, ce qui lui permet de ramener alors la fertilité dans la région, créant ainsi la source Amymone. Aspect. Comme souvent dans la mythologie, les avis divergent. Certains lui prêtaient un corps de dragon, de serpent ou de crustacé, terminé par 7, 9 ou même 100 têtes de serpent, dont une était immortelle. Son poison était si puissant que le seul fait de respirer son odeur ou son haleine provoquait immédiatement la mort. Si l'hydre de Lerne est si connue, c'est parce qu'elle représente le deuxième des 12 travaux d'Hercule, Héraclès en latin. Guidé par son neveu Iolas, Hercule arrive au marais de Lerne, vide de toute vie. Hercule lança alors des flèches enflammées sur les roseaux alentour, contraignant ainsi le monstre à sortir de son antre. Il retint sa respiration, ou, suivant les versions, s'entoura la bouche d'un tissu, la massue à la main, s'élança vers le monstre tout en prenant garde à ne pas se faire mordre par la créature. Mais de chacune des blessures qu'Hercule infligeait aux multiples têtes du monstre en repoussait deux autres. Voyant son oncle en mauvaise posture, Lola s'enflamma la forêt avoisinante pour en recueillir quelques brandons ardents. Ceci lui permettrait de brûler la chair morte au fur et à mesure que son oncle les abattait les unes après les autres, ce qu'ils firent. L'un frappant, l'autre cautérisant, ils arrivèrent alors à l'ultime tête, l'immortel. Hercule la frappe alors, l'étourdissant de par la violence et la vitesse de ses coups, la saisit et l'enterre encore hurlante et crachante sous un énorme rocher. Depuis ce jour, on peut entendre le grondement du crâne immortel retentir dans les environs du marais de Lerne. L'hydre de Lerne a subi de multiples adaptations dans le monde vidéoludique. Elle est entre autres présente dans le jeu Kingdom Hearts 2, sorti en 2006 sur PS2. On peut y jouer des personnages de la franchise Disney, dont son Hercule réadapté qui devra, vous vous en doutez, affronter cette même hydre. Personnellement, je préfère préciser réadapté car l'histoire n'est évidemment pas la même que celle de la mythologie, trop violente pour les enfants. Il me semble tout de même qu'il était plus intéressant de revisiter ce mythe plutôt que d'essayer de le retranscrire à la lettre. Dragon's Dogma Dark Horizon est un action RPG en open world sorti en premier lieu sur PS3 et Xbox 360, mais qui a été porté sur PC en 2016. Mais ne prenez pas peur, il existe des modes qui permettent d'y jouer avec des textures en HD. C'est dans ce monde peuplé de créatures légendaires que nous allons nous en aller combattre la nôtre, et plus encore. On retrouve l'hydre dans le jeu PC 12 Labors of Hercule. Littéralement, les 12 travaux d'Hercule, comme l'on pouvait s'en douter. Un jeu de gestion en temps réel qui nous fait entre autres combattre et résoudre de petits puzzles. Il est par ailleurs sorti 3 suites à ce même jeu. Le jeu Depths of Fear Knossos nous offre aussi la joie de nous retrouver nez à nez avec la créature dans un jeu de combat où l'on affronte tour à tour des monstres mythologiques. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez trouvé quelques erreurs, quelques coquilles, ou alors si vous avez trouvé des adaptations d'autres artistes de l'époque, car il y a plein d'interprétations à un même mythe, n'hésitez pas à me le suggérer dans les commentaires et je ferai en sorte de le mettre à la fin de la prochaine vidéo de ce type. Sur ce, je vous salue.